eh bien, Madame Lalim, lui-même, lui fait des situations paysan à vivre, je ne jeudi, eh bien, lui fait connaître que situation Haïti à pas vivre, je ne jeudi, lui vraiment sombre. Et c'est constat tout membre Conseil sécurité Nations Unies qui chita ensemble hier lundi 4 octobre 2021 côté il a été fait présentation un nouveau rapport secrétaire général Lan Voye Bayo qui retracé et fait dramatique récent qui aggravé vide institutionnel exab qui vient nous rendre crise socio-politique là dans pays d'Haïti vienne tourner en situation tête chargée fragile tant cousé surtout avec insécurité généralisée. Dans rapport ça, yo décrit Haïti comme théâtre dans dernière année sa yo, en pile causé criminel et qui en pile là-dedans qui médiatisé et mon tribo babo sous terre après et yo fait connaître que yo fait une enquête approfondie des situations. Yo parlé de augmentation 5% homicide volontaire qui rivé dans chiffre 549 ka aussi aller par rapport avec période qui t'est passé yo. Yo dit qu'il y a une augmentation 328 victimes et que la police nationale signale yo dans 8 premiers mois l'année. Donc yo parlé tout les comparé avec avant chiffre là vient augmenter 200 parce que dans année 2020 lui-même pour toute année c'était 234 et puis pour arriver 549 seulement pour 8 premières années dans année 2021 situation catastrophique. Dans même rapport ça yo parlé des 19 000 déplacés dans Matissan à cause gang dans commune Kafour que côté moun sa yo al pran refugio. C'est gang dans Matissan qui fait courir. Il a parlé tout des Cité Soleil, quoi des Bouquets, Delma et puis Tribobabo, gang yo a frappé red. Dans constat représentant spécial secrétaire général des Nations Unies pour Haïti, il parlait nous parler des chefs bureau intégré Nations Unies Bini, madame Hélène Lalim, eh ben il fait connaître situation yo vraiment décourageant ça qui privé dans pays a signe by découragement total capital. Il fait connaître que si ça yo jeudi il faut que tu aies une conviction qui prend et donc représentant spécial Nations Unies et parler pour tout haïtien yo tu capable de mettre tête ensemble pour nous tu capable de relever grand défi qui gagne sous société à jeudi et donc dans même réunion ça il y a un pile intervention qui fait tout sous situation pays d'Haïti parmi intervention ça yo c'est intervention ministre affaires étrangères et pays d'Haïti Claude Joseph Pierre et Guerrier. Oui. Ministre Affaires étrangères là qui était intervenu pendant session ça Claude Joseph qui dans séance information Conseil sécurité sur question Haïti en fait promotion accord 11 septembre non, accord Ariel Henry accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace période intérimaire et l'intervention ça également les croyons en traite judiciaire nécessaire pour faire aboutir enquête là et puis parmi Pini Koupabio dans le cadre de dossier président Jovenel Moïse là dans un moment conseil là préparé pour renouveler mandat binuant l'important que yo prend en compte nouvelle réalité yo dans pays yo façon pour adapter yo en conséquence dans renforcer capacité et police nationale là d'après le premier ministre alors ancien premier ministre et puis ministre affaires étrangères Claude Joseph qui lui-même t'a parlé dans nom gouvernement haïtien qui lui-même parlait de attente légitime population qui a pas souffri bah violence gang armée kidnapping ak criminalité en général pendant les reconnaître limite bureau intégré Nations Unies en Haïti compte tenu de nature les gagnants donc il espérait que conseil là a pas fait adapter donc en conséquence pour capable aider autorité haïtienne yo fait face à une situation grave insécurité qui gagne dans le pays journée aujourd'hui. Spécial secrétaire général, madame la responsable de police cité, mesdames, messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier le Conseil de sécurité d'avoir bien voulu m'inviter à prendre part à cette séance d'information dédiée à la question haïtienne et du coup me donner l'occasion de faire valoir les points de vue et observations du gouvernement haïtien en ce qui a trait au rapport du secrétaire général
sur le bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, que vient de présenter Madame la représentante spéciale. Je tiens à présenter les remerciements et la gratitude du gouvernement haïtien au secrétaire général des Nations Unies pour son engagement envers Haïti et le peuple haïtien, comme en témoigne son dernier rapport qui rend compte de manière objective et impartiale des récents événements qui se sont produits dans le pays. Les observations et recommandations du rapport ont été notées et examinées avec le plus grand soin par le gouvernement de la République d'Haïti. Permettez-moi de saisir cette occasion pour renouveler à la représentante spéciale du secrétaire général mes vives félicitations pour son sens de responsabilité, sa détermination sans faille et le travail remarquable qu'elle exécute à la tête du BINU. Le séisme de magnitude 7.2 a fait plus de 2240 morts dans le grand sud d'Haïti, parmi lesquels le docteur Ousmane Touré de la République de Guinée, dont nous saluons la mémoire, et 12 700 blessés, sans parler des innombrables dégâts matériels, des destructions d'infrastructures, tant publiques que privées. À cela se sont ajoutées, deux jours plus tard, les conséquences non moins lourdes de la tempête tropicale Grace, qui s'est abattue sur cette même région du pays. Tous ces problèmes, très complexes, sont venus se greffer aux énormes conséquences désastreuses de la pandémie du COVID-19 sur les structures économiques, sociales et sanitaires du pays. Face à ces adversités, le peuple haïtien s'est montré très courageux et a fait preuve d'une remarquable résilience. Qu'il trouve ici l'expression de mon profond respect et celui du gouvernement de la République. Monsieur le Président, ces événements malheureux que je viens d'énumérer n'ont fait qu'exacerber la crise sociopolitique que connaît la République d'Haïti depuis plus de 3 ans, aggraver sa vulnérabilité et compromettre son développement durable, tel que le secrétaire général l'a si bien souligné dans son rapport. Le gouvernement de la République que j'ai l'honneur de représenter devant cette auguste assemblée en est pleinement conscient et s'engage à mettre en œuvre, autant que faire se peut, les recommandations du rapport avec, bien sûr, l'appui soutenu des partenaires et amis de la communauté internationale. Il mesure l'importance des défis à relever et l'ampleur des obstacles qui hypothèquent le développement économique et social de la nation. Il est plus que déterminé à faire bouger les lignes, à progresser dans les réformes structurelles indispensables à l'amélioration de la gouvernance démocratique, à la lutte contre l'impunité, au renforcement de l'état de droit. Pour y parvenir, il est impératif qu'on cherche, de manière volontariste, à réaliser l'unité de la famille haïtienne. Les décennies de querelles intestines, de divisions stériles, de haine et de rancœur qui ont suivi la fin de la dictature des Duvaliers ont eu, entre autres conséquences néfastes, la déchirure du tissu social, l'instabilité politique chronique, la désarticulation des structures économiques, l'appauvrissement de la majeure partie de la population, la décapitalisation des entreprises, l'exode des capitaux et des cerveaux et l'aggravation des inégalités. Et dans la foulée, l'inacceptable et l'irréparable est arrivé dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. L'assassinat en sa résidence privée d'un président démocratiquement élu dans l'exercice de ses fonctions. C'est sans nul doute, conscient de cet impératif de l'unité nationale, que, depuis son installation dans ses fonctions de Premier ministre, le docteur Ariel Henry s'investit dans la recherche d'un consensus le plus large possible en vue de contribuer à la normalisation de la vie politique et au fonctionnement régulier des institutions démocratiques. C'est ainsi que, au terme de larges consultations avec les secteurs de la classe politique et de la société civile, il a conclu un accord politique en vue de mettre un terme à cette division fratricide qui alimente l'instabilité et la violence. Ces efforts ont commencé à donner des résultats avec la signature le 11 septembre dernier de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace pour la période intérimaire qui engage plus de 200 organisations politiques et de la société civile.
Nous devons capitaliser sur cet accord de façon à en faire la base, le consensus le plus large possible, afin de créer les conditions objectives de l'apaisement du climat sociopolitique et, par voie de conséquence, de l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes et inclusives, dans les meilleurs délais, bien sûr. Pour cela, il est essentiel de faire triompher l'esprit d'abnégation et de dépassement de soi pour mettre les intérêts supérieurs de la nation au premier rang de nos préoccupations et motivations. Je m'en enorgueillis d'avoir su donner l'exemple de ce dépassement de soi à un moment crucial de la vie nationale, en abandonnant sans contrainte aucune la fonction du Premier ministre AI pour céder la place au docteur Ariel Henry, conformément aux dernières volontés de feu le président Jovenel Moïse, après avoir dignement contribué à la stabilisation de l'État et de la société suite à l'assassinat odieux du président de la République. C'est dans cet esprit d'abnégation que j'appelle tous ceux qui, comme moi, ont été proches du président Jovenel Moïse à faciliter la tâche au gouvernement dont je fais partie, avec l'appui de nos partenaires internationaux, des acteurs de la société civile, voire même des secteurs qui étaient farouchement opposés au président Moïse, dans le cadre d'un large accord interhaïtien comme la seule planche de salut de la patrie commune. Parallèlement à ce chantier politique hautement prioritaire pour le pays, le gouvernement attache une grande importance au renforcement du système judiciaire qui doit absolument travailler à l'aboutissement de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse, afin que justice lui soit rendue conformément aux vœux de sa famille, de ses alliés et du peuple haïtien dans sa grande majorité. Les jours et semaines qui ont suivi sa mort l'ont montré, l'histoire le montrera à son tour. Le président Jovenel Moïse a été assassiné pour ses idées, pour ses rêves, pour le peuple haïtien, pour son engagement en faveur d'un avenir qui chante pour chaque fille et chaque fils d'Haïti. Monsieur le Président, le rapport a bien souligné l'assassinat du président Jovenel Moïse, un événement politique tragique qui, combiné à bien d'autres, a exacerbé la crise multidimensionnelle haïtienne et fait accroître les incertitudes quant au devenir politique et la nécessité et la nécessaire stabilisation d'Haïti. Le secrétaire général a notamment mis l'accent sur les dispositions sécuritaires prises par le gouvernement d'alors, qui avait la haute responsabilité de la continuité de l'État, afin d'éviter le chaos que certains oiseaux de mauvais augure voient prendre à l'horizon ou souhaitent voir venir. D'innombrables efforts ont été entrepris sur le terrain afin de faire avancer l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il faut le reconnaître. Mais les faiblesses du système judiciaire haïtien, combinées au caractère manifestement transnational de ce crime, ne sont pas pour garantir la poursuite et l'aboutissement de l'enquête, encore moins de la manifestation de la justice pour ce dossier. Fort de cela, une entraide judiciaire est nécessaire pour faire aboutir l'enquête, identifier et punir les coupables. Cette requête a été réitérée par Haïti au cours du débat général de la 76e Assemblée générale. Nous souhaitons qu'elle soit dûment prise en considération afin d'envoyer un message clair que de tels actes ne sont aucunement tolérés dans notre système international. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement haïtien a bien noté les préoccupations en matière de droits de l'homme qui, selon le secrétaire général, a continué de se dégrader en raison notamment des violents affrontements entre gangs armés et les attaques commises contre la population civile. D'une façon plus générale, le gouvernement tient à réitérer son engagement d'assurer le respect, la défense et la promotion des droits de la personne, sans discrimination aucune, conformément à ses engagements et obligations découlant des traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme auxquels la République d'Haïti est partie. Comme le secrétaire général l'indique dans son rapport, les efforts de réforme de la justice se sont poursuivis, ceci malgré les problèmes que connaît le pouvoir judiciaire en raison des événements tragiques qu'a connu le pays.
Des initiatives heureuses ont été prises, telles que la prestation de serment et l'installation récente des membres du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Des mesures sont en train d'être prises pour améliorer les conditions de détention dans les centres carcéraux, réduire la détention préventive prolongée et par voie de conséquence, la surpopulation carcérale. Monsieur le Président, permettez-moi de profiter de cette tribune pour évoquer la troublante et choquante situation des dizaines de milliers de compatriotes haïtiens qui, à intervalles réguliers et pour s'échapper aux dures réalités de la conjoncture, fuient sans cesse les côtes haïtiennes pour aller chercher un mieux-être ailleurs. Vous avez certainement vu, au cours des dernières semaines, les images horribles des atrocités que ces haïtiennes et haïtiens ont vécues sur la frontière américano-mexicaine. Je dois vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur que quelqu'un laisse ce beau pays de la Caraïbe pour aller chercher une vie meilleure ailleurs, en mettant en danger sa vie et bien souvent celle de ses enfants. Tout ce que nous demandons,